C'est fou comment c'est juste un immeuble en béton, et pourtant on sait tout de suite que ça vient d'Europe de l'Est. Quand tu regardes une de ces vidéos d'accidents de voiture ou de danse en jogging à bibas, c'est toujours dans ce genre de décor. C'est que les trucs les plus tarés qui sortent de l'ex-URSS, jamais quelque chose de positif. Ouais, mais en même temps, quand tu vis dans ce contexte-là, là, dans cette répétition d'immeubles moches et délabrés, bah, ça doit bien t'affecter mentalement. Hein. Si t'as une société qui se préoccupe pas du tout de l'environnement urbain dans lequel elle vit, avec cette architecture éco-plus réduite à son pur aspect pratique, forcément, ça génère de la casse sociale. Ouais, t'as raison, mais ça explique pas tout. Il y a des gens qui apprécient ce genre d'architecture. Et puis, elle est pas comme ça sans raison non plus. Tu sais quoi? Je pense que pour compléter le paysage, il nous manque quelqu'un. Les paysages post-soviétiques ont un certain attrait paradoxal. Ce qui évoque aux uns la monotonie totalitaire fascine les autres par son aspect étrange, presque post-apocalyptique et visionnaire dans bien des cas. La mélancolie de ces paysages, qui est pourtant si propre à l'Europe de l'Est, résonne dans le monde entier. Et l'un des coupables principaux en est le Doumer. Le Doumer, en tant que personnage, faisait initialement partie de la série des mèmes Wojak, utilisés pour moquer les différentes générations. Des boomers déconnectés à la génération Z infantilisée. Le Doumer est un jeune homme dans la vingtaine avec des cernes prononcées, une cigarette en bouche, le regard perdu dans l'absurdité de l'existence. Il n'est peut-être pas étonnant qu'il s'est vu devenir un personnage à part entière autour duquel s'est développée toute une esthétique d'une génération coincée entre l'échec du passé et l'instabilité du présent. Les compilations de musique mélancolique de l'URSS tardif sur fond de paysages nocturnes d'immeubles en béton répétés sans fin font des millions de vues. Et les commentaires dans toutes les langues du monde partagent leur tristesse existentielle dans une sorte de thérapie collective. Et le paysage en est le protagoniste au même titre que le bonhomme. Le groupe biélorusse Molchat Doma, devenu viral sur TikTok, est symbolique de l'intérêt pour la culture post-soviétique. Et la couverture de leur album Etagi dépeint l'équivalent architectural de leur musique. Un hôtel en Slovaquie, monstre brutaliste défiant la gravité, symbolique du fatalisme pesant de l'Est. De manière générale, l'architecture et le paysage qu'elle génère sont des créations éminemment politiques. Qu'ils soient idéologiques ou pragmatiques, ils sont les puissants manifestes de la société qui les a produits. Ces blocs de béton monochrome en disent long sur le contexte qui les a vus naître. Mais s'ils sont édifiés principalement dans les décennies 60-70, leur origine intellectuelle est plus ancienne. C'est en 1917 que les bolcheviks renversent la Russie tsariste pour installer un régime socialiste. Et selon Marx, qui est à l'origine des thèses qui motivent les révolutionnaires, l'environnement social détermine la conscience individuelle. En produisant un ensemble de représentations collectives, c'est cela qu'ils nomment idéologie. Ainsi, si les bolcheviks veulent construire un homme nouveau, libéré de l'emprise bourgeoise, c'est sur son environnement que doivent se porter leurs premiers efforts. Les constructions du passé sont bourgeoises, donc par nature contre-révolutionnaires, et sont redistribuées à la collectivité. La religion étant l'opium du peuple, il en va de même du patrimoine religieux, comme la cathédrale moscovite du Christ Sauveur, pulvérisée à la dynamite sous l'entonnaison glorieuse de l'Internationale, de laquelle on peut entendre « du passé faisons table rase ». Cette vague destructrice permet l'émergence d'idées radicalement modernes. Les artistes et architectes se réclamant du constructivisme, un courant artistique d'avant-garde russe profondément ancré dans l'idéologie communiste, rejettent les formes du passé et inventent des formes révolutionnaires. La volonté de créer une architecture nouvelle grâce aux matériaux nouveaux comme le béton, le verre et l'acier, la correspondance parfaite entre forme et fonction des bâtiments, la pureté géométrique et l'absence de superflu décoratif en sont les caractéristiques nouvelles. La graine du modernisme soviétique était plantée, mais n'allait germer véritablement qu'un demi-siècle plus tard. Cet élan d'innovation aura eu la vie courte. Dès 1932, Joseph Staline impose une organisation étatique stricte aux professions artistiques, ce qui étouffe rapidement toute forme d'avant-garde. Le père des peuples met le cap sur le néoclassicisme aux formes impériales. Palais d'inspiration Renaissance italienne, stations de métro baroque où dieu et empereur ont été remplacés par le soldat et l'ouvrier, grands boulevards néoclassiques,
Rien ne peut arrêter cet amour pour le grandiose que partagent les autres totalitarismes de l'époque. La Seconde Guerre mondiale laisse l'URSS en ruine, sans pour autant couper l'appétence pour l'architecture historiciste de prestige. Au contraire, celle-ci reçoit un nouveau motif, le peuple vainqueur, qui devient rapidement l'objet de toutes les statues et mosaïques décorant Moscou. Le projet du palais des Soviets, que même les architectes occidentaux ont critiqué comme trop bourgeois, les gratte-ciels surnommés les Sept Sœurs de Moscou, et les immeubles pour les hauts placés qui aujourd'hui sont parmi les appartements les plus cotés de la capitale, tel est l'héritage de la période post-guerre. Et pourtant, il en manque des logements. La guerre a réduit 1700 villes et plus de 70 000 villages à néant, faisant 25 millions de sans-abri dans un pays en pleine transition urbaine. Le logement accessible était l'un des points phares des révolutionnaires de 1917, et pourtant, à la mort du père des peuples en 1953, la majorité de la population se sert toujours dans les baraques en bois ou dans les appartements communaux, les fameuses Kommunalka. C'est à son successeur Nikita Khrushchev qu'on comble la lourde tâche de loger la population croissante. Le nouveau secrétaire du parti met le cap sur la déstalinisation, et l'architecture n'y échappe pas. Fini les références à l'antique et la décoration outrancière. Il s'agit désormais d'apporter une réponse pragmatique et moderne à la crise du logement, la production industrielle de masse inspirée des méthodes de préfabrication internationale. C'est alors que naît le plus grand symbole de l'architecture soviétique, la Khrushchevka. File-moi le module, là. Tiens. Ben non, mais pas celui-là, là. L'autre, là. Ok. La Khrushchevka, c'est l'immeuble d'habitation type construit dans les années 1960 pendant le mandat du secrétaire éponyme. C'est le fruit d'une décennie de recherches en ingénierie dont l'objectif annoncé est de construire rapidement et à faible coût. En s'appuyant sur les méthodes de préfabrication, la conception de ces immeubles est turbo-optimisée et maxi-standardisée. Les panneaux de béton ou parfois de briques sont fabriqués en usine, puis acheminés sur site par camion, et une main-d'œuvre réduite en assemble les éléments. Un ascenseur étant trop coûteux et long à installer, l'immeuble type fait 4 étages. Les appartements sont exigus, 16 à 40 mètres carrés, dans lesquels il n'est pas rare de loger 3 générations d'une même famille. La cuisine fait généralement 6 mètres carrés, mais l'équipement y est moderne. La salle de bain de 2 mètres carrés est elle aussi préassemblée et prête à être raccordée à la tuyauterie. Chauffage central, gazinière et balcon sont de série. L'évolution de la Khrushchevka se fera sous le mandat suivant, celui de Léonid Brejnev. La Brejnevka, bravo, vous suivez, gagne en qualité, en durabilité et en hauteur grâce aux ascenseurs. Car en effet, les modèles d'immeubles sont déclinés en série, le plus typique étant le modèle K7, représentant à lui seul 10% de la surface immobilière de l'URSS. Des centaines de milliers d'exemplaires seront construits sur l'ensemble du territoire soviet en l'espace de 7 ans. Khrushchevka et Brejnevka sont les produits bruts de la pensée fonctionnaliste en architecture, qui prône une correspondance parfaite entre forme et fonction des bâtiments. Et c'est bien la répétition des éléments préfabriqués qui fait l'identité de ces barres d'immeubles. Et un corollaire brutal découle de cette construction de masse à l'échelle continentale, la création d'un paysage caractéristique de l'ère soviétique, de barres de logements médiocres et tristement uniformes, parsemées de l'Orient à l'Occident. Et ça, c'est tout le paradoxe des barres de logements modernes, en Russie comme ailleurs. Qu'on se le dise, les Khrushchevka étaient une véritable révolution sociale, améliorant considérablement les conditions de vie, offrant à des millions de mal-logés un habitat exigu, certes, mais digne et doté d'équipements modernes. Seulement, ces immeubles étaient des bâtiments provisoires, conçus pour être construits rapidement et à bon marché afin de résoudre la grave crise du logement. Mais comme souvent quand l'argent vient à manquer, le temporaire s'est mué en permanent. Cette modernisation de l'architecture post-stalinienne n'est pas seulement motivée par la nécessité. À partir de 1954 commence le dégel, un affaiblissement de censure qui amène une période de plus grande expression artistique. Ce relâchement des tensions se manifeste aussi dans la diplomatie. Dans les années 60, la détente conduit au développement de collaborations entre les blocs Est et Ouest.
Après l'échappée belle qu'a été la crise de Cuba, la compétition entre les deux modèles idéologiques se fera pendant près de 20 ans sur des pistes plus constructives. Qui de la ménagère américaine ou soviétique aura la cuisine la mieux équipée? Qui de l'astronaute ou du cosmonaute sera le premier à poser un pied sur la Lune? La bataille se mène aussi sur le terrain artistique. En 1954, les directives adoptées lors du congrès pan-soviétique des constructeurs condamnent le néoclassicisme stalinien, ce qui fait ressurgir les idées brimées de l'avant-garde des années 20. À travers des laboratoires de recherche prospective, les architectes soviétiques seront incités à la plus grande audace, pour concevoir les formes d'espace les plus futuristes, comme si au final l'époque stalinienne n'a été qu'une interruption dans le projet moderniste. Et justement, qu'est-ce qu'il y a de plus moderne que la course à l'espace ? Oui, enfin, c'est pas très futuriste, hein, tout ça, quand même. Attends. T'as pas encore tout vu. Car les Soviétiques rêvaient de l'espace. Plus encore que les Américains qui ont défié l'imaginaire à travers la machine hollywoodienne, pour les Soviétiques, l'exploration spatiale était quelque part de l'ordre de l'idée nationale. Après tout, la révolution prolétaire a toujours eu une visée globale. Et quand on parle du monde, pourquoi s'arrêter à notre planète ? La Terre est le berceau de l'humanité. Mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Écrivait le père de la cosmonautique, Konstantin Tsiolkovsky. Et les poètes prolétaires ont commencé à chanter l'idée de Mars rouge, en matière comme dans l'esprit, avant même que le pays se colore à son tour. Les artistes, tout autant que les scientifiques, étaient convaincus que la vie dans l'espace était une étape inévitable de l'évolution humaine. Et ce rêve a colonisé la culture populaire soviétique. Films, romans, œuvres d'art, mais aussi magazines littéraires et scientifiques pour lesquels les artistes en vendent une iconographie enthousiaste des technologies d'exploration. Habitacles fuselés, colonies sphériques et stations toroïdales sont les formes imaginées pour la civilisation cosmique en devenir. Alors pour accueillir l'avenir comme il se doit, il fallait le construire maintenant. Il fallait construire aujourd'hui comme si demain était déjà arrivé, comme si l'homme nouveau, libéré du poids du passé, habitait déjà ces espaces. Et alors, sous l'influence combinée du renouveau marxiste et des progrès dans la course spatiale, l'architecture soviétique devient dans les années 60 un exercice prospectif de construction d'une société du futur. C'est donc sur ce paysage d'immeubles répétés ad nauseam qu'émergent d'étranges anomalies. Des structures brutes et expressives à l'esthétique rétrofuturiste, comme abandonnées sur Terre par une civilisation des étoiles, vaisseaux stellaires, antennes de communication galactique, citadelle de défense planétaire, temple consacré au techno-occultisme. Bien sûr, toute l'architecture post-stalinienne ne puise pas directement son inspiration dans cet imaginaire futuriste. Et pourtant, il y a comme un air de famille entre les concepts d'habitat spatial, les Khrushchevka et ces monuments du modernisme soviétique. Parce qu'en un sens, ces formes sortent toutes d'un même moule. Et ce moule est peut-être moins l'idéologie communiste que l'esprit du temps, l'esprit d'une époque, que partagent d'ailleurs les deux blocs ennemis. Une époque matérialiste qui se voue au progrès technique plutôt qu'à Dieu. C'est peu dire que l'architecture spatiale est hyper contrainte. La gravitation artificielle générée par force centrifuge, l'optimum entre surface d'habitat et pression atmosphérique, sont les principales contraintes physiques qui commandent au concept futuriste de colonies orbitales. Autre contrainte technique, l'architecture spatiale doit être modulaire pour des raisons de compatibilité, d'assemblage et de production industrielle. En conclusion, deux processus de conception règnent dans l'architecture spatiale, la fonction qui dicte la forme et la modularité. Mais les architectes n'ont pas attendu que l'humanité aille dans l'espace pour poser ces problématiques. En effet, l'architecture moderne internationale est en ce temps traversée par plusieurs courants stylistiques qui s'alimentent l'un l'autre et qui tentent de définir le rapport nouveau entre esthétique et mode de production industrielle. Et ces deux courants principaux sont le fonctionnalisme et le brutalisme. La pensée fonctionnaliste est souvent présentée par l'adage « la forme suit la fonction ». Elle stipule que l'apparence de l'architecture doit à la fois découler du processus de construction et de l'usage prosaïque du bâtiment. L'ornementation est jugée inutile, voire immorale. Par exemple, voyez ce spectaculaire centre de repos Drujba. Eh bien, on devine qu'il est la résultante de deux contraintes,
D'une, la minimisation de l'emprise au sol sur le parc naturel de Yalta afin d'avoir un impact réduit sur le site. Et de deux, la volonté d'offrir à chaque résident une vue égalitaire sur la mer Noire, tout le monde étant logé à la même enseigne. Là, sur cette façade de la faculté d'architecture de Minsk, on lit aisément la succession de salles d'atelier. Et ce que vous voyez là, c'est l'empilement en diagonale des amphithéâtres qui achève la linéarité du bâtiment. Cette organisation spatiale est limpide et transparente vue de l'extérieur, il s'en dégage ainsi une certaine élégance. Quant au brutalisme, c'est un courant architectural qui exploite l'esthétique violente du béton brut, dans sa dimension sauvage et primitive. Et l'un des ressorts expressifs est de tirer parti de la répétition et de la variation des modules de béton. Et là encore, l'ornementation est écartée au profit de la massivité. Ce que vous voyez là, ça n'est pas une citadelle du Mordor, mais l'Institut de robotique et de cybernétique de Leningrad, dont seulement deux modules de béton répétés composent cette jupe en béton plissé. Et pour ces logements que l'on peut observer de l'est à l'ouest du bloc soviétique, la répétition des modules de fenêtres et de balcons font comme vibrer la façade. Donc, fonctionnalisme et brutalisme sont les esthétiques pragmatiques de l'architecture moderne, dictées par la raison et les procédés industriels. Et s'il y a bien sûr de grandes différences de moyens et d'objectifs, le modernisme soviétique, les Khrushchevka et les concepts d'architecture spatiale obéissent tous trois aux règles implacables de la logique productiviste. Singulier vestige d'une utopie échouée, les constructions laissées par l'ère soviétique tiennent autant du conformisme le plus médiocre que de l'avant-garde la plus audacieuse, composant un seul et même paysage, une seule et même identité, froide et dérangeante. Aujourd'hui, l'héritage du brutalisme divise. Les bâtiments vieillissent et le béton brut garde sur lui toutes les marques du temps qui passe. Leur aspect initial est cher à maintenir et les discussions actuelles sur la durabilité soulèvent des questions sur l'impact écologique du béton. Avant tout, c'est son esthétique qui est devenue clivante. L'austérité obstinée n'évoque plus rien de radical. Et pendant que les amoureux de l'art s'indignent sur le manque de préservation de ces chefs-d'œuvre, le public les trouve souvent disgracieux et voudrait les voir disparaître. Dans beaucoup d'esprits, le brutalisme devient associé au totalitarisme, chose qui n'est pas aidée par l'utilisation de ces constructions comme décors menaçants dans les films dystopiques. Leurs qualités sont aussi leurs défauts. Leur forme détachée des architectures nationales les déracine, leur monumentalité oppresse. Tout comme le projet soviétique, le brutalisme semble de plus en plus être un vestige du siècle passé. Ah, fille, non, j'ai des enfants. L'homo soviéticus est mort, en laissant derrière lui les vestiges de sa civilisation. Et les nouveaux habitants qui errent dans les labyrinthes de béton vieillissant les emplissent de sens nouveau. Les immeubles préfabriqués sont le nouveau paysage bucolique russe. Et alors que les artistes d'antan peignaient les villages boisés, c'est la Khrushchevka qui occupe les esprits d'une nouvelle génération de créateurs. La mélancolie romantique des œuvres de Dostoïevski s'est bien installée parmi ce que l'écrivain russe Vladimir Sorokine décrit comme le grotesque russe. Pour les écrivains, la Russie est, bien sûr, un Eldorado complet. Mais pour les citoyens, c'est une épreuve plutôt difficile. Imaginez ce qui se passerait si j'étais né, par exemple, en Suisse. J'aurais dû inventer quelque chose, lire des chroniques criminelles, prendre des drogues dures. Ici, pour plonger dans l'abîme métaphysique, il suffit de sortir dans la rue. Mais le doomer n'est pas sans espoir, et sur le segment russe de l'internet, le paysage qui n'évoque que tristesse et pauvreté aux uns devient une source de confort pour les autres. Comme il est difficile de distinguer un bloc d'immeuble d'un autre, chaque photo rappelle au spectateur le lieu de son enfance insouciante, sa maison natale, la chaleur familiale. Les immeubles conçus pour être temporaires jusqu'à l'arrivée imminente du communisme sont devenus permanents, et on a appris à aimer son chez-soi dans toute son imperfection. Les ruines d'une civilisation cosmique du passé se remplissent de nouveaux sens, et pour beaucoup, elles sont peut-être la clé pour comprendre d'où ils viennent et quelle est leur place dans le monde. Avant de songer à casser tous ces bâtiments, il faut sérieusement s'interroger sur leur valeur patrimoniale,
Parce que bah, qu'on le veuille ou non, ce modernisme brutaliste, c'est l'histoire des Russes. Et pas que des Russes d'ailleurs, c'est aussi la nôtre. En France, un des précurseurs de ce courant, c'est le fameux Le Corbusier. Et cette figure tutélaire du Corbu polarise à elle seule tous les débats sur l'architecture moderne, comme s'il était son seul géniteur, ce qui n'est pas du tout le cas. Il est considéré comme le génie de la modernité par les uns, comme le fossoyeur de la beauté par les autres. Dire que c'est réducteur est un euphémisme, et il est grand temps aujourd'hui d'avoir un discours apaisé sur le brutalisme. Donc, plutôt que de raser l'intégralité d'un passé qu'on méprise, il faut faire ce travail de reconnaissance et de tri des édifices les plus intéressants, des expérimentations les plus avant-gardistes, les rénover, les réhabiliter, les requalifier. Ce brutalisme, dont Le Corbusier en disait que c'était le romantisme du mal foutu, aujourd'hui, il ne faut ni le mépriser, ni le porter au nu. Il faut le comprendre, il faut l'accepter et en tirer le meilleur.